Oui, voilà. Je suis malade. Bah, rentrez, qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas bien, j'ai envie de vomir. Ah. Attendez, c'est par là. Ça va? On y est, hein? Ne me laissez pas doute. Si, 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 mais je suis pas loin. T'as quelqu'un dans ta vie, toi? En ce moment, c'est calme, ma femme vient de se tirer. Excuse-moi. Pas de mal. Ça t'a foutu un coup? Un peu, ouais. Un peu. On s'est engueulé pendant 5 ans, ça crée des liens. Puis pourquoi tu t'es mariée? Pour faire comme mon frère. Il est marié, il a 5 gosses superbes. Très blond, très propre, genre idéal national-socialiste. Ça a toujours été un exemple pour moi, mon frère. En classe, il était premier, moi je ramais. Il sortait avec des filles superbes. Moi, j'ai eu une puberté que je souhaiterais pas à mon pire ennemi. Il est cardiologue, je suis généraliste, quoi, tout ça. En plus, il me bat tout le temps ping-pong, ce con. Tu as des enfants? Non. Coup de peau, hein. Bon, mais je vais peut-être te laisser dormir. Hein. Merci, ça va mieux. T'es sûre? Tu peux rester dormir ici si tu veux, je prendrai le canapé. Non, je veux pas te déranger. Mais tu me déranges pas. Bon, bah alors c'est moi qui prends le canapé. Mais non, mais non. Ça me fera des souvenirs, j'ai dormi plus souvent dedans que dans mon lit, alors.